Bonjour à tous, c'est Phoenix29 et aujourd'hui on se retrouve sur Skyrim. La dernière fois nous venions d'arriver à l'académie des mages de Fort d'Hiver. Et donc on s'était laissé juste ici, je crois on venait de voir notre chambre. Ok, donc là, ça fait un petit bout que j'ai pas tourné. Je crois qu'il fallait... Ok, visiter l'académie de Fort d'Hiver, d'accord. Donc je crois qu'il fallait peut-être aller à notre premier cours, je pense. Je ne suis pas certain. Vous allez d'abord suivre les cours de Tolfdir, l'un de nos magiciens les plus respectés. Ok. Quand j'aurai fini de vous montrer les bâtiments, nous pourrons parler. Très bien. Encore une nouvelle tête pour suivre l'apprentissage, à ce que je vois. Êtes-vous de ceux qui pensent qu'ils sont là pour changer la face du monde, ou est-ce que vous ne pensez qu'à vous? Je peux vous assurer que je vais vous avoir à l'œil, tous autant que vous êtes. D'accord. Oui, je suis là. Je pense que Tolfdir a déjà commencé à s'adresser aux nouveaux apprentis. Allez-y et, si vous avez le moindre problème, faites-le savoir à l'un de nos supérieurs. D'accord, c'est parti, allons-y. Donc on y est, la salle des éléments. Bienvenue. Nous venons tout juste de commencer. Je vous en prie, joignez-vous à nous. Bien, reprenons. Avant toute chose, il faut comprendre que la magie est par nature instable et dangereuse. Si vous ne savez pas la contrôler, elle vous détruira. Monsieur, nous en sommes tous conscients. Nous ne serions pas ici si nous ne savions pas contrôler la magie. Bien sûr, ma chère. Vous possédez tous un talent inné, loin de moi l'idée de le remettre en question. Je veux parler de véritable contrôle, de maîtrise de la magie. Cela nécessite des années, voire des décennies d'entraînement et d'études. Bon, qu'est-ce que nous attendons? Allons-y. S'il vous plaît. C'est exactement ce dont je veux parler. Si l'ardeur n'est pas tempérée par la prudence, c'est une invitation au désastre. Mais nous venons juste d'arriver. Vous ne savez pas ce dont nous sommes capables. Pourquoi ne pas nous donner une chance de montrer ce que nous savons faire? Vous n'avez rien dit jusqu'à présent. Que devrions-nous faire, à votre avis? La sécurité devrait être plus importante que tout le reste. Ne semble pas être du même avis. Ne l'écoutez pas. Nous pouvons réussir. Laissez-nous une chance. Alors, du calme. Je suppose que nous pourrions passer à la pratique. Pour rester sur le thème de la sécurité, nous allons commencer par les barrières. Il s'agit de sorts de protection permettant de bloquer la magie. Je vais vous apprendre l'une de ces barrières, et nous verrons si vous êtes capable de l'utiliser correctement. D'accord? Vous voulez bien m'aider à faire une démonstration? D'accord. Connaissez-vous les sorts de barrières? Non, pas vraiment. Ce n'est pas grave. Je peux vous apprendre une barrière rudimentaire. Cela suffira pour notre leçon. Bien. Mettez-vous en place là-bas. Je vais vous lancer un sort que vous bloquerez avec la barrière. Allons-y. Par là-bas, s'il vous plaît. Juste en face de moi. Je ne voudrais pas toucher quelqu'un par accident. Ok. Lancez le sort de bas. Donc là, je sais pas si ma light est tout de suite donné. Oui. Ok. Je suis prêt. Ne bougez pas. Excellent travail. Bien, je dirais que c'est un très bon début. Continuez de vous entraîner à utiliser les barrières, s'il vous plaît. Non, ça va. Je pense que nous sommes prêts à explorer les diverses applications de la magie à travers l'histoire. L'Académie a entrepris des fouilles fascinantes dans les ruines de Sartal, à proximité. Je crois que ce serait très instructif pour vous. Je vous propose de nous retrouver là-bas dans quelques heures. Et nous irons voir ce qu'elle renferme. Ce sera tout pour le moment. Il y avait quoi d'écrit ?
En fait, ça, je le précise tout de suite. Je vous l'avais dit que j'avais acheté des mods sur l'Académie de Fort d'Hiver. Donc, ça, c'est des trucs qui ont été ajoutés. On va prendre les potions. Ça, je sais pas c'est quoi. Est-ce qu'il y aurait une énigme? Ah, ben c'est intéressant ça. Donc, le gars qui a fait ça, c'est tout simplement pour qu'on... Ben pour pratiquer en fait. C'est hot ça. On va prendre les potions là. Il y a plein de notes aussi, ça, je vais falloir que je les regarde aussi. Bon. Ok, ça... Ok, on va laisser ça là. Et donc, je présume que ça, c'est le même message. Oui. Je vais aller voir les autres, c'est peut-être le même aussi. C'est tout le même titre, fait que ça doit être le même partout. Ouais. Là, on va laisser quelques potions au cas où. Que, ben, des fois, c'est, là, je risque d'être beaucoup plein avec toutes les potions que je viens de récupérer, là. Donc, ouais. Mais sérieux, c'est vraiment intéressant ça, ce que le gars a fait. Bon. Ah oui. Il va falloir se rendre à Sartal. Je sais pas si on s'y rend tout de suite. Est-ce que... Je vais regarder un peu. Est-ce que c'est... Je crois que c'est loin quand même. Ah, c'est là. Est-ce qu'on se rend là? Ou... Là, j'ai plein de missions partout. Ok, rejoins les rébellions, adressez-vous à ça. Va falloir que j'aille faire aussi la quête principale. Ça, c'est... Ça aussi. Donc, En fait, je sais pas, là... On peut bien s'y rendre. Sauf que c'est assez loin. Ouais, en tout cas. Mettons-nous en route. Ah ben attendez, j'ai combien d'or? Ih, je n'ai pas beaucoup. On va quand même essayer, on va aller voir. Donc je sais que les mages ici, on peut toutes leur vendre des trucs. Donc on va aller en voir quelques-uns. Et je vais peut-être regarder aussi pour m'acheter des nouveaux sorts de destruction. Mirabelle fait du bon travail au poste de maître sorcier, je l'admets. Cependant, ah, parfait, c'est le chemin que je vais voir. Qui va succéder à Mirabelle. Ainsi, vous souhaitez maîtriser les arts des arcanes. Donc d'abord, est-ce que j'ai des trucs à vendre? Donc, des bottes complètement merdiques, on va y vendre. On a une robe de novice de destruction. Ah, ça, je m'en étais même pas rendu compte. Les gemmes spirituelles, on va les garder. Bon, on va regarder ces livres. Qu'est-ce qu'on prendrait bien? Ouais, disons que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Bon, en tout cas, peu importe, on va acheter ça. Et on va prendre la robe de destruction. Celle-là, on va aller peut-être. Je crois, je sais pas si c'est à cet étage, à l'étage au-dessus qu'il y a une table d'enchant. On verra. Donc, je vais aller voir. Mais je pense que c'est c'est pas ici. Ah ben...
Ah ça je pense ça fait pas. Je crois que c'est le mode qui fait ça. Ok. Donc on va faire ça. Capuchon de novice, j'en ai deux, bah parfait. Les autres je veux pas les détruire parce que j'aurais rien d'autre à porter. Fait que on va se. Bon là ça m'a enlevé ma capuche. Voilà. Ok. Donc je pense qu'on va ressortir. Il y a des potions de santé. Un livre. Qu'est-ce qu'il y a ici? D'autres livres. C'est sûr que ce serait bien de les prendre. Mais en tout cas, il y en a trop, on va laisser faire. Donc, sortons d'ici. Mauvais côté. Ok. On va se faire un plan dans la ville qui est dévastée, je vous le rappelle. Ben, je pourrais peut-être aller fouiller un peu la ville. Il y aurait peut-être des quêtes. Comme aller parler au Yarl, peut-être. En tout cas, je vais aller voir. Chercher quelque chose. Qu'est-ce que ça peut signifier? Le retour Mon de l'enfant est de dragon. Servir. Le Yarl a mis après la tête de certains bandits. Jetez un œil à ce décret pour de plus amples précisions. Parfait. Moi? Rien. Et j'espère que ça va continuer. Le Yarl est persuadé que je suis de l'Académie, alors il est gentil avec moi. Vous voulez peut-être m'aider à conserver les apparences? Le vieux Nelakar a un bâton de magicien dans sa chambre, au foyer gelé. Ça pourrait m'aider d'avoir ce bâton, au cas où le Jarl commence à se demander si je suis bien de l'Académie. D'accord. Merci. J'attendrai ici que l'aide arrive. C'est bon. Bon voyage. Donc là, des nouvelles quêtes. Si vous connaissez de... Battez-vous bien ou mourrez. Bon, le gars. Que vous faire à Fort d'hiver? Je suis ici pour l'académie. J'aurais dû m'en douter. De toute façon, plus personne ne vient à Fort d'hiver pour une autre raison que celle-là. Fort d'hiver a perdu la plus grande partie de son histoire. Et avec elle, sa puissance. J'essaie de changer cela. J'ai entendu des rumeurs sur l'emplacement du home de Fort d'hiver. Celui-là même que portait le Jarl Hans durant l'ère première. Vous saviez que Hans était candidat à la succession au trône de Haut-Roi de Bordeciel? Cet objet pourrait m'attirer l'attention des autres châtelleries et me donner un peu d'autorité. Ok. Bien. Une bourse d'or vous attendra à votre retour. D'accord, c'est bon. Elle est-ce qu'elle peut... Corir sera le premier non, à vous dire que nous vivrions tous mieux sans cette académie. Et je suis d'accord avec lui. Mais non, arrêtez de dire ça, l'académie est haute. Bon. Bon, donc là, on va mettre en route pour Sertal. C'est parti. Je vais peut-être couper la vidéo pour pas que ça soit trop long parce que c'est quand même loin. Pour pas que ça soit un peu trop plate à regarder. Encore un. Voilà. Viens ici. Voilà. Je vais tester deux de mes nouveaux pouvoirs que j'ai achetés. Qui vont avec un mode. Donc on va voir qu'est-ce que ça. Oulala, ça. Ils ont pas l'air très puissants. On va tester ça, je pense. Ça marche ou ça marche pas? What? Mais c'est moi ou ça fait rien? D'accord. Mais bon. Ça, je m'y attendais pas. Faudrait tuer quelques chefs et réussir à pogner des.
Parfait, une corde. Parce que ça va servir pour dans notre quand on va se construire une maison. Ok, on va améliorer encore la magie comme d'habitude. Soigner un colis. T'es assez fort celui-là. Il y a une grotte là-bas, on va juste aller. On va pas l'explorer, on va juste aller pour la débrouiller comme déplacement rapide. Donc allons-y. Okay. Oh non, quand je vais être rendu à la fin, je vais détester ça. Pour ceux qui connaissent Karim, vous aurez compris. Et sinon, vous verrez plus tard. Donc ok. On a... What? Tantôt on était sur le chemin de l'hôtel. Ah ben, bon, en tout cas, on construit toujours vers Sartal. Est-ce que je l'avais récupéré lui? Ah, non. Ah, je veux des cornes, moi. De ne pas mourir. On peut beaucoup mourir de dégâts de chute dans ce jeu. Donc il faut faire très attention. Donc on y est. Sartal. Bon, attention. Il s'en fait mal. Ok, je suis pas là. Oui, bonjour. Pourquoi vous... Oh, il y a un ennemi à qui c'est pour ça. Je dois être cuisiné. Qu'est-ce que... Ils ont de l'air loin pourtant. Et je pourrais pas grimper à partir d'ici. Ah, non, j'y arrive pas. Bon, là il doit, ça doit être correct. C'est rassurant. On peut y aller. Restez près de moi une fois à l'intérieur. Il ne devrait pas y avoir de danger, mais prudence et mère de sûreté. Donc je pense qu'on va se laisser là, juste devant Sartal. Pour pas que ce soit trop long. Bon, ce sera pas passé grand chose dans cet épisode-là. Mais je veux pas avoir des épisodes trop longs. Ça, c'est un peu moins le fun à regarder. Donc des courts épisodes, c'est parfait, je trouve. Donc on se retrouve pour la suite très prochainement. Merci d'avoir regardé. Bye tout le monde.